Alors, mon amour, où tu m'emmènes ce week-end? Un petit week-end en amoureux. C'est vrai? Oui. Dans un bel hôtel? Dans un beau hôtel. Pour ton anniversaire? Pour mon anniversaire. Et enfin, c'est toi qui dois me faire la surprise de base. Ah, d'accord. Ah, je t'amène moi dans l'hôtel. C'est toi qui m'amènes. Ok, ça va. Magnifique. Ok. Bonjour, bonjour. Rentrez, alors on est dans la toilette. Vous avez déjà mon maquillage présenté, hein? Tu vois? Tadam! Micro. Oh, tu m'énerves déjà. Donc, je vous présente, nous avons ici une douche italienne. On ne peut pas faire une vidéo avec toi en fait. On peut pas. Merci. Ici nous avons des toilettes que je dois fermer cette fenêtre là parce qu'elle est trop visible. Je ne vais pas faire caca en face de toi. Mais c'est que toi tu as un transit, on va dire, qui fonctionne assez bien. Ça veut dire quoi? Ensuite, montre-nous l'extérieur. Ok, l'extérieur. Donc déjà là, vous avez un dressing. Dressing room. Ici vous avez la chambre. Vous avez un lit. Bon, maintenant enlève-moi. Il faisait du tambour debout. Nanana nanana nanana. Maintenant. Attends, je rigolais pas. Ok. Nous avons. Ah ouais, c'est beau là. Qu'est-ce que c'est? C'est en face, amour? Qu'est-ce que c'est en face? Vas-y. Alors, explique-moi, on verra si tu connais la Suisse. Alors, là-bas au fond, là-bas de l'autre côté, hey, regarde-moi. Là-bas au fond, c'est la France. Ouais, c'est pas là-bas, c'est Nestlé. Mais c'est moi qui te le dis avant. Ah, c'est Vevey, Montreux là-bas. Là-bas, c'est Montreux, il y a le casino. Là-bas, c'est Lausanne. Voilà comment elle sait si jamais, parce qu'il y a tout qui est écrit ici. Donc il y a la dent de Jamal qui c'est. La dent de Jamal. Jamal, à Jaman. Oups. Du coup voilà. Moi je pense qu'on va aller au spa pour se détendre. Et moi je pense que je vais bronzer. Parce qu'on va dire que tu m'as fatigué. Je vais bronzer. Mais fatigué. À un point de la fatigue. Mais tu sais que énorme. Tu voir, non, Dani, c'est bon. Attends. Non, c'est bon. Non, mais attends. C'est bon. Non, mais attends. Amour, s'il te plaît, laisse-moi te montrer juste une chose. Juste une chose. Juste une chose. Une chose. Une. Ouh, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. A tout de suite pour le spa. Bonjour. T'as eu peur, hein? Mais oui, je me suis dit, je vais la battre de pied. Fais du shopping en même temps ou quoi? Ouais, moi je veux celle de gauche. Tu veux rien du tout, hein? Oh la mienne. Si vous entendez la caméra, elle est toujours en train de parler. Toujours. Regardez. Scusa, mais qui t'a dit que tu pouvais venir dehors? Tu es trop belle. Merci de répondre. Bon, je ne veux pas être la souris derrière toi. Tu vas aller où? Dedans ou dehors? Tu vas aller où, toi? Je vais aller dedans. Tu vas aller dedans? Ouais. On va dedans, alors. Je vais aller en faire un tour dans la piscine. Voilà, terminé.
coup, j'ai terminé mon massage. J'attends Nico. Il n'est toujours pas là. C'est horrible, les femmes enceintes finissent d'abord. C'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Elle m'a mis un coussin. Elle m'a massé. J'en pouvais plus. Par contre, elle aurait pu faire un petit peu plus dans les mains. Je sais pas pourquoi. J'adore les mains. J'adore quand on masse les mains. Puis en plus, on a une belle vue. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça s'est couvert, hein? Mais qui est cette belle femme? Ouh! T'as sorti la belle robe, hein? Bébé, est-ce que c'est une robe? Dis-moi si c'est une robe. Désolé d'avoir pas vu que t'avais des jambes. Non mais. C'est vrai que t'étais une sirène. Mais oui, bah j'ai vu que c'était pas une robe. Mais moi comme ça, fermé, vas-y ferme. On dirait une robe. Non? Je sais pas. Bon, on peut filmer toi et moi, en amoureux. Alors. Mais bien sûr, bébé. Tu sais que tu pèles là, bébé? Ouh. Derrière l'oreille? Arrête. Ça gratte? Ouais. De temps en temps? Gratte-moi là. Non, ça fait mal. On mange pas aujourd'hui. Attends, je t'enlève une peau. Non, ça peut pas. Bébé, t'es trop grand. Moi, je suis trop petite. Hein. Bonjour. C'est ça d'avoir oublié une perche. Ça, c'est toi qui as oublié la perche. Tu sais, c'est toujours ma faute. Dès qu'il y a un oubli, c'est toujours ma faute. C'est ta faute. Bon, qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. En fait, je suis indécise. Alors, je vous explique. Il y a un restaurant japonais ici. Mais... Bébé, c'est des sushis, tu peux pas. Vas-y, qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Putain, mais tu sais que les clubs sont vides, tu m'as donné envie. Hein. Mais ça veut dire qu'on sortira pas de la chambre. Et je me suis pas préparée pour rien. Donc, il faut qu'on aille manger dans le restaurant. Voilà. Donc, t'as fait ton choix? J'ai fait mon choix. Aïe! Aïe! Non. Aïe, j'ai des coups de soleil, Dani. Tant pis. Tu fumes maintenant, bébé? Non, mais j'ai toujours trouvé beau. Les cigares? Ouais, je te jure. Tu bon. La vois, celle-là? Non, mais j'ai toujours trouvé beau. Ah. De beauté. Pas de... Ça pue. Tu peux sourire un peu? Ah, bon, j'ai faim. J'ai toujours faim. Pour commencer, un petit amuse-bouche. Samoussa. Noix de coco. Non, rhubarbe. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, je vais goûter. Daniel a boit pour oublier. Et moi, je vais manger. C'est bon? Ça a l'air bon. Toi aussi. Bon appétit, mon cœur. Un joli petit dessert pour la femme de ma vie. Waouh, on va se régaler. C'est fou quand même, hein. T'avais plus faim, soi-disant. D'après ton dernier plat. Il y a toujours une petite place dans un petit estomac. C'est pas tellement une petite place, ça, pour un petit boudin. C'est une petite place. Le vent possible, imaginable, inimaginable, imaginable. Bébé, je crois pas qu'il y a une sortie d'histoire, il y a un essu. Il est l'heure. On te réveille. On a la tête dans le cul. On a la tête dans le cul. En tout cas, de mon côté, j'ai pas envie de ma tête. Oh, il m'a pas laissé dormir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit con là, il m'a pas laissé dormir. Tu parles de qui, le petit con là? Ce petit con. C'est de mon fils que t'es en train de parler là? Oui. Fais gaffe, hein. Bon, tu te réveilles maintenant? On fait quoi? Petit déjeuner dans la chambre ou petit déjeuner dans le restaurant? Petit déjeuner dans le restaurant. Allez, on se réveille, bosse, on doit y aller. Parce qu'il y a une bosse. Parce que ça me gêne. Du coup, vu que toi, tu dors,
Et tu ronfles beaucoup. Moi, je ronfle. Ah oui, tu ronfles. Toi, ah, tu ronfles avec ton gros bide. Tu sais comment t'es? Tu sais comment t'es? Tu sais comment t'es? Et tu sais comment t'es, toi? Puis après, tu fais. Mais oui, parce qu'il bouge tout le temps. Et tu écoutes rien du tout. Tu dormais comme un petit porcelain, tu serais réveillé, tu fais. Et c'était une raison. C'était une raison de lancer le coussin dans la figure. Oui, parce que comme ça, t'arrêtes de ronfler. Mais après, 5 minutes après, tu recommences. Déjà, moi, c'est une personne qui ronfle pas. Si, il ronfle beaucoup, il a un problème de nez, il faut qu'il se fasse opérer. Problème de nez. C'est pas possible. En attendant, mais tu veux pas ronfler autant. Toi. Et pourquoi tu vas toujours à ma place? Quand tu respires la nuit. J'arrive pas, je suis enceinte, j'ai pris 9 kilos maintenant. Mais t'es bougé, respire comme un bœuf. J'entends plus. C'était la dispute du matin. Non mais sérieux. Je t'aime, dis-je. Non mais t'as le droit. Dis je t'aime. Non, je te dis pas, je t'aime pas. Je t'aime. Le week-end c'est terminé, mon cœur. Non, on est samedi, hein. Oui, mais là on va rentrer à la maison. Comment tu as trouvé ce magnifique domaine? Alors, le domaine il était génial, l'hôtel était génial, les gens ils étaient géniaux, sauf toi. T'es quoi? T'es une bête. Regarde là-bas combien d'étagères. Il y en a pas beaucoup. On va arrêter là. Aïe, 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 excuse.